Madame Nzambi, que le Seigneur bénisse. Nous sommes très heureux de vous saluer ce matin. Après avoir fait le tour du monde, nous avons fait le tour du monde. Nous sommes allés jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi je vous avais dit répétez Kantas. Vous savez, il y a un problème dans les gens. Les gens ne savent même pas qu'ils doivent travailler pour le royaume des cieux. Au lieu qu'ils puissent travailler en synergie, en connivence avec ceux qui travaillent pour le royaume des cieux, on nous critique. Non, tu fais ça, tu es. On a pas dit bangala foi. Hein? Nous on bouge à la befu, ou au moment il canta, ça tu quoi tu cantas. Les gens sont habitués à monter dans des avions de Mabouki, tout ça, Air Côte d'Ivoire, Air Sénégal, des choses comme ça. Qantas, ce sont des grandes compagnies qui transportent des gens de Singapour, ils les amènent en Australie. Ce sont des grandes compagnies d'aviation. Nous sommes mais tu ne connais pas que là-bas, il faut aller aux extrémités de la terre pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mes amis, sans vous tromper, ça fait 12 ans que je suis sur les champs missionnaires avec plus de 100 voyages par an. Calculez les montants. Prenez seulement, mettez 1000 dollars. Ok, enlevez 1000 dollars, maintenant mettez les billets business. Ça fait combien? Donc, vous allez dire, oh, j'aime le Seigneur, moi aussi, ceci, cela. Vous n'aimez pas la vérité. La vérité, c'est ça. Parce que si je vous mets la machine et que je calcule, ça va faire plus d'un million de dollars pour le royaume des cieux. Et vous, vous êtes là en train de parler, en train de critiquer des gens qui essaient de faire des choses. Oh, vraiment. Et heureusement que Dieu nous a dit de bénir nos ennemis. Moi, je ne peux pas maudire quelqu'un. Moi, je suis né pour bénir les gens. Mais c'est regrettable de voir que même les démons sont plus unis que des gens qui se disent que ce sont des frères. Les gens se sont organisés. C'est parmi des frères qu'on trouve des gens qui critiquent sérieusement les enfants de Dieu. Des gens qui se disent des frères. Heureusement, nous sommes avertis parce qu'il y a trois sortes de croyants. Il y a des soi-disant, des gens avec haine dans leur cœur. Aujourd'hui, il suffit seulement qu'un frère voit un autre frère en voiture et il haït. Donc les gens ne veulent pas avoir des bénédictions. Ils ne veulent pas. Non, monsieur. Moi, je suis un astronaute. Moi, je suis un interplanétaire. Je suis né pour vaincre. Pour qu'il y ait quelque chose sur la Terre, la chose vient d'en haut. Rappelez-vous, n'importe quelle manifestation que vous allez voir sur la Terre ici, elle vient d'en haut. La pluie, il y a d'abord le tonnerre pour avoir la pluie. Vous comprenez? Pour qu'il y ait la nourriture, il faut beaucoup de choses. Il faut le soleil, tout vient d'en haut. Donc, si vous me voyez, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de chacun à son étoile. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis là. Et effectivement, comme les gens ne veulent pas la vérité, ils aiment faire chacun ce qu'il veut. Alors, Dieu seul sait qui l'aime et qui ne l'aime pas. Dieu se voit dans les actes, papa, actes. Moutilouba, acte. Acte. Combien de fois as-tu payé dans tes propres frais? Tu quittes comme ça, tu pars pour prêcher l'évangile de Dieu. Je veux m'asseoir. Il faut que je me dise la vérité. Au moins, papa, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de j'ai baptisé les gens dans tous les océans du monde. On part, on baptise les autochtones hein, et on les amène au Seigneur. On va en Amazonie. Qui parmi vous est allé en Amazonie là-bas souffrir avec des gros serpents, avec les dangers qu'il y a là-bas et être là en adversité avec le monde sauvage? Habitué à manger les foufous, manger votre foufou et augmenter l'insuline, hein, augmenter l'insuline. Continuez à manger les foufous, vous allez voir ce que les foufous vont vous donner plus tard. Vous serez là sans Dieu, avec des maladies, tout ça cardiovasculaire, un monsieur qui ne fout absolument rien pour le royaume des cieux, vous êtes là en train de critiquer des hommes de Dieu. Non, on n'est pas là pour ça, mes amis. On est là et agissez même comme des démons. Les démons sont plus unis que les humains.
ils atteignent leurs objectifs. Pourquoi nous qui disons que nous sommes des problèmes, nous ne sommes pas les indignes, nous sommes divisés? Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Messieurs, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Et surtout, la plupart des gens qui disent « Ah, oh, moi, et c'est... » Non, vous n'avez même pas le Saint-Esprit, parce que si... Ce qui vous fait là, c'est l'esprit de pauvreté. Vous savez pourquoi? Parce que les jours où vous aurez 100 000 dollars, vous allez coucher avec les femmes du monde entier, vous allez faire des bêtises. C'est la raison pour laquelle Dieu, connaissant vos cœurs sales et mauvais, ne peut pas permettre que vous puissiez avoir ça. Faites des années, vous n'allez pas entendre que moi, je suis dans des bêtises. Hein? J'ai des filles dans le monde entier. Brésil, partout à Osaka, là-bas, j'ai mes propres filles. Donc, des filles des japonaises. Et vous savez, avec les japonaises sont réservées. Mais moi, j'accepte dans un monde comme ça. À Taïwan, partout là-bas, j'accepte. Et j'ai les maris. Et vous n'entendez pas des choses comme ça. Mais vous dites, oh non, orgueil, il a dit ceci, cela, ou il a fait ceci, cela. Voilà. Alors, du reste, on ne parle plus de nous que les œuvres parlent. La Bible est là. En bas, il y a des gens qui sont en train de se faire. Où il y a une extrémité de la terre. Nous avons fait les cinq extrémités. Les plus grandes extrémités. Chili, extrémité. Regardez. Australie, Melbourne là-bas. Sydney, donc Nouvelle-Zélande, donc, Japon, ceci, cela. Et vous, vous êtes là en train de tourner dans la forêt équatoriale et vous êtes en train de critiquer vraiment. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ayez du respect pour les gens qui travaillent pour le royaume. Moi, quand il s'agissait de faire quelque chose, moi, je l'ai fait très bien. J'ai étudié correctement, avec distinction toujours. J'ai fini. Distinction toujours. Spécialisation, distinction toujours. J'ai fini. Travail, directeur. Parce que Dieu a dit que vous serez des têtes et non des queues. Moi, je suis un directeur, monsieur. Après ça, missionnaire. Un vrai missionnaire, papa. C'est pas, oh, pas des missionnaires là, comme des missionnaires que vous voulez manipuler. Non. Je ne viendrai pas, oh non, en fait. Non, 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 non. Dieu lui-même déjà se charge de nous. Et il s'occupe de nous. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui vont nous aimer, ils seront bénis. Et ceux qui ne vont pas nous aimer, ah, vous voulez juger les livres à partir de quoi? De la couverture. Et c'est ce qui est faux. Le voleur à la croix, il était voleur, mais dedans, c'était un enfant de Dieu. Imaginez-vous un voleur. Et moi, je ne suis même pas ça. Donc, arrêtez de mal regarder. Dans vos yeux, il y a l'esprit de convoitise. Dans vos yeux, il y a l'esprit de jugement. Dans vos yeux, il y a la colère. Je peux voir tout ça. Je peux voir que Christ n'est pas là. C'est ça. L'esprit de Christ, c'est un esprit qui parle en faveur du coupable. Voilà. C'est pourquoi moi, j'ai prié pour vous. Et vous, au lieu de prier pour moi, vous êtes là. Ah, il a fait, il a dit, ceci, cela. Non, ça, ce sont des histoires terre à terre, mes amis. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Arrêtons de nous juger et faisons des choses comme de véritables croyants. Nous devons nous aimer les uns les autres. Point barre. Qu'est-ce qui va entrer au royaume de Dieu? Seul l'amour entrera. Sans l'amour, ce sont des discours faux. Seul l'amour entrera. Sans l'amour, vous... C'est pourquoi faire banane. Oh, merci Seigneur pour faire banane. Les jours où vous entrerez en contact avec le message, vous aurez les... Moi, je suis en train de parler. Moi, je ne dis pas. Frère Banam dit, moi, je suis en train de vous montrer ce que Frère Banam a dit. Ils iront, le message sera prêché ici. Moi, je fais déjà. Oh, ils seront guéris. Moi, je suis dans ça. Oh, je suis dans ça. Les Africains prêcheront les... Je suis dans ça déjà. Mais vous, regardez là où vous êtes en train de dire. Lèvez-vous, tournez vers le nord, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez cela comme vous voulez, de l'orgueil, de ceci, de cela. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Vous ne savez même pas définir les choses. Oh, l'esprit de Christ, c'est un esprit qui parle comme ça, qui est comme ça. Fait un homme dit, un chrétien, ce n'est pas parce que vous portez des jupes longues ou vous portez comme ceci, comme ça. J'ai dit déjà qu'il était en train de critiquer parce que quelqu'un s'habille bien, ainsi de... Fait un homme dit, je ne suis pas contre les sœurs qui veulent avoir une belle parure, qui veulent être belles, qui veulent être présentables, ni des hommes non plus.
On ne peut pas être là, sale, ainsi de suite, et les enfants de ce monde. Donc, oh non, incroyable, les business class, c'est pour seulement. Et vous voyez, frère, l'argent, est-ce que toi tu as travaillé comme moi? Tu as étudié comme moi? Toi tu connais comment j'ai souffert avec les mathématiques, je ne dormais pas des nuits, tout ça, pour réussir aux examens avec succès, tout ça. Non, mes amis, soyons sérieux. Il y a des gens maintenant que nous on étudiait, ils faisaient les affaires. Et aujourd'hui, nous, on a étudié, on a ciblé quelque chose quand on est arrivé aux objectifs. Je suis directeur, ça fait 15 ans que je suis directeur, un spécialiste. Je parle beaucoup de langues dans le monde et je suis allé les étudier dans des universités. En plus, ce sont des langues qualifiées. Moi, je parle un espagnol qualifié avec diplôme. Ce n'est pas un espagnol comme ça, comme... Non, non, non. Moi, je parle un espagnol académique. Non, hablo cualquier cosa. ¿Me entiendes? Claro. ¿Qué estás pensando? No, mes amis, les Français viennent du latin et nous parlons ces langues-là, ce sont les langues les plus parlées dans le monde. Faites un effort. Sortez de ces histoires-là, français, ceci, cela, tout ça. Parlez anglais, parlez espagnol, vous allez aller très loin. C'était le petit conseil. Suivez mon exemple, je serai un grand exemple pour vous. Ah, que Dieu vous bénisse.